peut-être. Alors en tout cas, s'il n'y a pas de blessés, Quentin Mahé, Nicolas Tournat, on en a déjà parlé, ça, on plongeait dans le grand bain des Jeux Olympiques. On va accompagner l'entrée. Quentin Mahé fait son arrivée sur le terrain. Nicolas Karabatic va disputer. Grand bain comme l'a fait Anne Hidalgo ce matin. Il n'y a rien. Ça s'est bien passé. Ah bah écoutez, on n'a pas le diagnostic qu'on va vous proposer avec cette équipe de France et donc le retour de Nedim Amin. Au poste de demi-centre, bien évidemment. Vraiment, le sélectionneur Guillaume Gilles, Laure Brunner, la composition de cette équipe croate avec des joueurs dont on a parlé. Avec Montpellierin qu'on connaît plus, il y a un choix, on y reviendra. Hein, le choix de Dagur Sigurdsson, il a beaucoup. Ce n'est pas Denis Poliari qui ne cesse de monter, qui font partie du top 5 mondial, tout simplement. La dernière ligne droite, le dernier étage de la fusée avant la mise en orbite olympique. Dans 9 jours, cette équipe de France va entamer son rêve bleu, celui. Patrice Canaillet, Nedim Remili, le croisé avec Nicolas Karabatic, la passe bien ajustée et le premier but inscrit. Passe très précise dans le bon timing également de la part de Nico Karabatic dans l'espace laissé libre. La défense de Ludovic. Chercher Ludovic Fabregas, voir un petit peu s'il y a une possibilité à l'intérieur. Cette fois, c'est l'extérieur et c'est le premier arrêt. Avec Loutin, la tête haute pour chercher une solution sur le premier temps de jeu. Tire puits de pétrole qui échappe de toute façon et qui manque le cadre. Richardson sur la transition. On est encore sur cette séquence. Deuxième arrêt de Kuzmin. C'est finalement plein centre avec Nacinovic et le premier arrêt. Et derrière, la superbe montée de balle des Français. C'est ce qui a manqué François-Xavier un tout petit peu face à l'Allemagne. Oui, parce que les Français, dans un premier temps, encore moindre. Ouais, le tir, ça s'est bien fait. Très bon tir. Il y a un peu d'engagement de Pavlovic. Et c'est très bien de la part de l'équipe de France d'être allé jouer justement dans le secteur de celui qui venait de marquer et qui manquait. On est nastavio svoje pripreme sa reprezentacijom u Opatiji, iako je i on zapravo u tom toj skupini četvorice igrača koji nisu nastavili službeno drugi dio priprema, još jednom Francuzinom prelagano tamo stvaraju prost za 4-2, hoćemo sad imati to priliku vidjeti. Jedan Mario Šoštarić, sjajno utrčava. Opet prostora na crti, malo previše za otvaranje koja stiže tamo do Ludovika Fabregasa. Kada primi to Fabrega svoje pozicije, onda u pravilu se nešto događa ili pogodak ili 7 metara. Ovo je sad naš side Mario Šoštarić protiv Vincenta Gerara. Šoštarić spušta loptu od podloge u donji desni kut za treći hrvatski pogodak. Richardson opet gura na krilo gdje nema previše naših igrača. Obrana Hrvatska se skuplja u sredinu i tu je Ugo Deska imao savršen i Deska sa drugim golom za 6-3. Šteta sada. I derrière, le temps fort pour obtenir. Ça le fait très bien, Melvin, depuis le début de la partie. Ugo Deska pour un éventuel troisième but pour lui face au remuant. Kuzmanovic, Ugo Deska, la feinte et le char tendu. Voilà. Côté bras, un petit peu décalé par rapport à la tête du gardien croate. Sestaric, Lucin, la passe sautée cette fois, oui. Il y a Nislen qui a voulu fermer les. Encore une passe, elle n'est pas contrôlée par Ludovic Fabregas. La bonne défense. Nacinovic qu'on va retrouver de l'autre côté du terrain. Pas de faute et c'est récupéré de Nacinovic. On retrouve ce duo. Et remarquable. Superbe ce que réalisent les Français du simple au double. 6-3 dans un premier temps. 8-4 désormais après 9 minutes. Šoštarić bien décalé par Martinovic. Ivan Martinovic qui est. Pas dire assistant. Oh, quelle passe exceptionnelle! La passe cachée de Nedim Remili. Le travail dans le dos, le glissement de Ludo. Ce qui permet
attirer les défenseurs. Ensuite, beaucoup de qualité pour servir le pivot. En échec, les Croates, à l'image de ce que faisaient les Français, c'est bien lâché parce que c'est bien fixé pour Šostarić. Oui, il avait perdu le ballon des yeux. Kuzmanović, Hugo Desca en échec malgré tout. Klarić qui a pris la place de Šostarić. Les largesses avec Nedim et Yanis. Ah, il l'est vraiment depuis le début de la rencontre, Vincent Gérard, avec ce sixième arrêt disparaissant des radars, lui notifiant qu'il ne faisait plus du tout partie du projet de Kiel. Reprendre votre terme dans la verticalité, à trouver des solutions, à provoquer des failles. Ça sent un petit peu sur le... Oui, qui s'en veut. Un petit peu sur les talons, premier poteau, mi-hauteur, premier poteau, mi-hauteur. Oui, la continuité du jeu, l'engagement rapide et la fermeture de Kuzmanović sur ce tir au près de Nikola Karabatic. Chez moi. Devant votre rue. Oui. Voilà. Ah mais, non, mais le réveil de nos gens, évidemment, la fête est à l'honneur. Le but de Yanis Lenne pendant ce temps, perte de balle, ce sera pour Hugo. Eh bien, bonne relance. Hugo Desca à se nourrir des erreurs adverses. Continuer à imprimer un rythme fou. On parlait du 6-3, on a évoqué le 4-8. On est désormais en Pologne, mais bon, miracle, ça ne se fait pas tout le temps, toujours. En tout cas, il faudra laisser du temps, à mon sens, à Dagur Sigurdsson et ne pas être pressé comme le font souvent malheureusement les Croates. On pensait qu'il pourrait évoluer quelques années. Bon. Mal à entrer dans sa partie. Oui. C'est Nedj qui va seul, mais c'est honneur. Croate. Oh là 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 là, attendez, là, non, mais là c'est un match amical, mais il faut sévir et de quelle manière, c'est un carton rouge. Non mais il faut exclure. Il faut l'exclure. Oui, ce sera rouge. Bien sûr, il n'y a rien à dire. Cette intervention au visage sur le pauvre Nikola Karabatic qui a été châtié. Geste scandaleux, vraiment. Continuer à travailler, à écarter, être patient. Attention, la poussette dans le dos, mais on joue trop auprès là-dessus, heureusement. Ah, c'est bien. Avec Melvin Richardson, servi par Emrik Mees, avec la sortie de Kuzmanović. Donc 6 joueurs de champ contre 6. Ça, une nouvelle fois, c'est bien glissé. Avec... D'où vient Mitch de cette situation? Du côté opposé. Là, c'est très bien avec la qualité d'engagement. Et l'explosivité d'Elohim qui lui permet, malgré... Il est très près. Hein. L'année du titre pour les Croates, justement. Le titre olympique. Oui, pour Valentin, évidemment que c'est... Elohim Prandi qui réussit à servir Nicolas Tournat. Avec Saric face à la défense française qui réussit à transmettre et le jet de 7 mètres. Šibić qui avait pris le meilleur sur Nedim Remili, la prise de position. Ça va peut-être être là justement le 10e arrêt. Allez Vincent, battu. Dans le même secteur, le même genre d'impact avec le demi-centre. Juste pour le départ de l'enclenchement, hein. Vous voyez ce Yagol, tout le monde se reprend position et le temps fort proposé par Emrik Mees. Et ça arrive jusqu'à Nicolas Tournat. C'est très bien, parfait. Emrik Mees, c'est avoir la capacité de sortir le ballon si jamais il ne fait pas la différence nettement, ce qui était le cas. Le cas c'est super échec. Remarquable, voilà le 10e arrêt d'un grand Vincent Gérard pour cette première période. Et le manque de cadre. Mais ça a été de Hugo. Et oui, être capable de sortir le ballon. Ça, si vous enterrez le ballon, tout le monde vous regarde en disant mais pourquoi tu es allé faire ça? Que fais-tu tout seul? C'est une relation qu'on pourra voir en équipe All-Star League dès la rentrée, oui. 6 septembre, puisque de gauche. La jeunesse dorée, Emrik Mees, le temps fort, le passage de bras, la libération, c'est très compliqué, mais il va chercher la faute. Oh, les amis. Et ça là. Oh, superbe! À nouveau, circuler, il n'y a rien à voir. Grande première période. Très grande première période de Vincent. Il est à plus de 50%. Ce 11e arrêt phénoménal, Vincent Gérard. Comme disait Laetitia. Mouvement aussi. Et derrière, c'est de l'adaptation avec du travail au quotidien. Ça, c'est remarquable aussi. Cette fois, Nicolas Tournat obtient Gain Richardson face à Kuzmanović. Version Spider-Man. C'est dans les filets de Spider-Man. C'est comme quand il y a une embrouille et que je dis tout le temps que c'est de votre faute, c'est jamais la mienne. Moi je fais pareil.
Le but cette fois de Claritza. Bon, après c'est un Islandais qui s'énerve. Oui, c'est un Islandais. Ouais, mauvais bloc. Ça, vous voyez, à suivre hein, d'ailleurs ce garçon. Très bonne presse après le match face à l'équipe de France pour le joueur d'Eisenhower. L'est également beaucoup. Allez, belle passe de renversement, un duel à jouer pour Aymeric Mins, ce n'est pas simple, ouais. Mais ça passe. Et là, vous avez vu un hein, haut du corps de force également. Ça, c'est bien fait de la part de Sindrich qui trouve son pivot. Loïc Prandi est un petit peu en retard. Ça va un petit peu mieux pour les Croates dans la prise. La préparation physique, c'est fait pour certains. Oui. Lussam, notamment, bien parmi sûr, les premiers cette semaine. Avec des retrouvailles entre certains. Et des arrivées pour d'autres avec, on a vu, Dylan. Plus précis. Pas trop exagéré avec... C'est bien, ça c'est parfait. C'est très, vraiment, c'est très bien. C'est, et il a été touché au visage, bien sûr. Deux minutes assez logiquement contre Veron Natinovic qui va, oui, quand même, c'est la moindre des choses. Aller relever à l'Égypte. L'Allemagne a mené 14-18, si vous voulez, face aux Français. Voilà, c'est pas du tout contrôlé le petit de ce côté. Oh, la revue, et le voilà. Le 14-18, bien évidemment, pour le dernier, pour notre dernière de la saison. François-Xavier, il ne pouvait pas en être autrement. Là, la route, les tailleux, derrière, il faut tenir. Parfait. Superbe, on en reste là. Oui, avec un très bon début de match. Hein. Le ton a été donné par les Français qui ont été efficaces, précis en attaque, solide devant Vincent. Nicolas Karabatic est là. Tout va bien pour les Bleus. Après le premier acte presque parfait. L'équipe de France va tenter de confirmer cette embellie par rapport au match. Timon discret en première période. Et Pavlovic, les trois mêmes les arrières qui avaient débuté la partie avec un Louchine qui en met plus mais qui n'obtient. Donc avec de l'ajustement, de l'adaptation et un point l'ont trouvé par Aymeric Mins. Et le ballon donné par Nicolas Karabatic qui lui est arrivé pour trouver une nouvelle solution. Le but en face très rapide. Mins croisé sans ballon. Donc comme on vous le disait tout à l'heure. Retour dans le secteur central et avancé. Voilà, presque croate qui aime beaucoup spéculer. Oui, ballon récupéré, Nedim Remili, la solution avec Villanaï, l'accélération coast to coast. Non, Yannis Lehn à l'opposé, superbe vision avec le but, le premier dans cette rencontre de la part de Dylan Naï qui n'avait pas été servi en première intention. C'était une... Ballon perdu, trop près de la défense française des Croates. Ça peut aller vite, très vite. Sur la droite, il y a une supériorité numérique. Et toujours numérique. La continuité du jeu, François Xavier. Vous voyez, on va s'arrêter là-dessus. Mais cette volonté d'offrir une solution supplémentaire à un partenaire. Et premièrement, être capable de présenter du danger, c'est-à-dire aller vraiment vers le but, de vous parler de verticalité, et être capable à n'importe quel moment de libérer. Il sera un poste donc derrière droit. Voilà. Oh, les petits pas exceptionnels pour obtenir le jet de 7 mètres. Trop vite. Le jeu d'Esca. Un chape très appuyé tout à l'heure. Changement de gardien face à lui désormais. Mandic battu sur un impact côté bras de tir. Un Mandic sûr qu'il y ait beaucoup de clubs qui soient en mesure de le sortir dans les prochains mois, voire les prochaines années. C'est à suivre. C'est à suivre. Il y a des Klopra, oui, annexé, hein, Kuzmanovic, ouais. Sitche, ouais. Belle. Oui, Rémi Desbonnet était parti trop vite. Ça fait 75%. Oh là, oui, oh là, Nico qui a été battu là-dessus. Dans la course. Impact de distance avec la zone de combat. Tourne autour des postes 2 avec le gros travail de Luka Karabatic. Bras levé, Natinovic. Et derrière le réflexe de Mandic avec la jambe gauche. Martinovic, la fin de tir. Finalement, Pavlovic à droite avec un espace entre 2 et 3, entre Remili et Nico Karabatic. Et les équipes. Et ça, c'est bien. C'est un mouvement qui a affectionné. Qui a espéré. Et... Oui, une bonne centaine de sièges. Martinovic. Là, ça allait très très vite. Donc, c'est trois mouvements. Surtout sans ballon, il est extrêmement performant. La qualité de l'engagement rapide, d'abord avec le capitaine Luka Karabatic. Nicolas, pour son frère, on l'a vu lancer, regardez, dans une course orientée.
Dylan Ney. Oui. Et c'est à Pavlovic en tant que meneur de retrouver. Alors ça passe direct avec attention, hein, les Ludo Fabrias et Luka Karabatic qui ont été francs. Et même Sostaric face à Rémi Desbonnets. Et là c'est imparable de toute façon avec l'accélération du poignet et du bras pour moi. Et Quentin Maillet, hein, qui m'a raconté une anecdote avec. Ouais, ça c'est bien. C'est très bien entre les deux Karabatic. Moi je joue aujourd'hui. Joueur de Tata Banya. Donc. En Hongrie. Oui. Voilà, Melvin Richardson. Sindrich sur un poste d'arrière droit. C'est plutôt un changement de position avec Martinovic. Oui, c'est l'intervention évidemment. Avant, et notamment Nedim Remili qui est sanctionné. Hop, vous voyez juste ce qu'il faut, la poussette. Nedim pas d'accord du tout. De manière individuelle. Pense soi-même. On prend des mouvements, donner les possibilités, des courses derrière. Non, ça c'est un ballon perdu. Et Kung Fu, c'était surtout une zone avec Sindrich. La passe cachée, récupérée par Hugo Desca. Attention. Ah, si, je peux vous dire que je ne l'avais pas. C'est très respecté. Je l'ai vécu. Ah bah, oui, je vous confirme. Ballon encore une fois. Et marché. Pas mal avec Sindrich. C'est quand même. On a connu d'autres temps du handball. Évidemment. Il y a le soleil. Oui, c'est quand même assez. Voilà, celle qui nous accompagne aujourd'hui et qui a été là depuis toutes ces années et qui elle aussi va voguer vers d'autres cieux. Elle va beaucoup nous manquer. On a été tellement heureux d'être avec elle pendant tant d'années. Comme les fondations d'un immeuble, vous voyez. Après, vous mettez de la peinture, c'est joli, vous mettez 2-3 fenêtres et puis vous êtes à l'abri. Et les architectes sont ceux qu'il faut célébrer. L'arrêt. Clarissa qui a montré de belles choses à l'Euro, justement, pour en parler. Et c'est bien fait, hein, c'est pitch très vif, explosif. Oui, et puis en utilisant le duel 1 contre 1 pour la. Vraiment. Ballon perdu, encore un. Sindrich qui reste vraiment côté droit. Clarissa face. Ludovic Fabregas et le poteau qui vient sauver les bleus avec la vaguelette tricolore autour du Colisée et derrière super Melvin Richardson qui fait mouche. Sarac sur un poste derrière gauche. Le but, justement, Sarac. Attention toujours au travail préparatoire. Ça a parfois été le péché mignon de l'équipe de France, sur notamment les pertes de balles. Mais l'autre revers de la médaille, puisque c'est de circonstance, c'est avec. Entre ce qu'on représente comme danger de loin et. Il y a minutes de cette partie au cours de laquelle l'équipe de France aura été. En tête du début pour le moment et on l'espère jusqu'à la fin avec un personne sur son utilisation. La passe jusqu'à l'aile de Sindrich pour Glavaš. Derrière facile. Beaucoup de l'arc de Jelinic qui a pris place. Boum oh. Le voilà. Le bison et la patate de forain. Ça montre le degré de confiance également. De... Oui, les mains baladeuses de Ludovic Fabregas, mais voilà, il manque. Gagner le match. On dit, la passe lâchée, Fabregas, la continuité. Valentin porte à la maison. Attention sur le premier appui, ballon qui va être récupéré par Glavaš. Oh, c'est une tentative. Nedim. Et la passe, voilà. Nedim, comme on l'a si souvent. Et cette belle ambiance pour terminer l'arrêt de Rémi Desbonnets pour mettre le public à l'unisson de cette ambition. Test peut-être. Ludovic Fabregas, Nedim Remili. Et derrière, le point long, là aussi, énorme pépite. Richardson. Grand confiance.
confiance, grande confiance, en grande maîtrise. On sent, comment dire, tout le cri. Allez, pour terminer le travail, peut-être le premier touché, effleuré, Mario Šostarić, qui aura été parfait dans cet exercice. D'abord le Danemark, l'immense Danemark. Et on a Olympique Antilles.